Oui, mais dis-moi, toi, tu t'es touché le zizi, hein? Tu t'es touché le zizi. Avec le chien. Avec le chien. Le chien. Hein? Avec le chien. On arrive à un stade crucial du développement de l'enfant où sa crainte, c'est de perdre des petits bouts, des petits bouts partout de son corps, elle est comme ça avec lui. Imaginez la situation, ça c'est en train de sortir de lui, voilà, un petit bout de lui qui sort. Oh, c'est du moi qui sort, c'est du moi, c'est à moi. Il faut pas que ça parte, il faut pas que ça parte dans le cosmos. Hein, faut, si c'est du moi, il faut que ça aille dans le moi, sinon après je vais être tout cassé. Je vais être tout cassé. Et maman, maman va pas me reconnaître. Voilà. C'est ça aussi. Maman va pas me reconnaître. Et, oh, quoi, ce petit garçon, c'est pas le petit garçon que je connais. Le petit garçon que je connais, il avait tous ses bouts. Il avait tous ses bouts à lui, partout. Et bah, mouche-toi, tu m'énerves, mais. Et je bouge pas, arnif. Et ça, ce processus, donc, ce processus d'autophagocytation, hein, par lequel il ramène les petits bouts de lui, hein, tout mou, dans le nez, au lieu de les mettre dans le mouchoir, parce que c'est la pulsion de mort. C'est la pulsion de mort, et c'est un moment important à surveiller, la pulsion de mort, parce que c'est le moment où il faut installer le rituel de mouche ton nez. Le rituel de mouche ton nez par lequel il va accepter socialement de donner, hein, c'est la confiance, quoi. C'est la confiance des petits bouts de lui, hein, de les donner à la société. Il faut qu'il sorte de la pulsion de mort pour devenir un sujet social. Ça ne veut pas dire grand-chose. Vous me dites ça guérit pas, mais moi, mon travail, c'est pas de vous guérir, hein. C'est de vous rendre malade de la même maladie que les autres. Et après, ça passe mieux, forcément. Thank you.